Hello, hi everyone. I hope you are all doing well today. Donc, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire les brochettes de viande. So, we're gonna do the skewers, the meat skewers. I think this is the right word. If not, you will tell me later how we call it. So, for that recipe, I choose, this chuck meat. It has like some fibers that it's like really good on our teeth. Donc j'ai utilisé cette viande de bœuf avec ces fibres-là. Vous voyez, c'est un peu bien quand ça colle un peu sur les dents là. Au moins tu sais que tu es en train de manger la viande. For the seasoning, I like a lot of onions in my skewers. Donc j'aime beaucoup d'oignons. Ça c'est de l'oignon que j'ai découpé. Vous voyez les gros morceaux, à peu près comme la taille des morceaux de viande que je vais découper tout à l'heure là. I will need this half of the lemon. Donc j'aurai besoin de ce demi citron pour assaisonner de la viande. J'aurais aussi besoin de ces c'est quoi encore? Les poivrons. Donc ça c'est le poivron jaune, rouge, vert. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'avais déjà apprêté certaines choses. But this is just the peppers. Red, yellow and green. You can use any type of pepper that you like to eat. It's just optional. I will need this seasoning cube. This is the seasoning cube. But you can use the Maggi cube or Oni cube or any type of seasoning that you like. I will need some salt, the seasoning salt. Donc ça c'est du sel. Add some black pepper, ça c'est le poivre noir. Some white pepper, ça c'est le poivre blanc. I will need a little bit of curry powder. Ça c'est, je sais pas le nom en français, mais c'est ça le curry powder. Ça c'est l'oignon. L'oignon en poudre. This is onion powder. This one will be the ginger powder. Donc ça c'est le ginger qu'on a écrasé en poudre. This one is Italian seasoning herb. Je pense ça c'est le persil. This is the parsley, the dry one. And this one will be the garlic. This is garlic powder. Donc ça c'est l'ail. Mais si vous voulez, vous pouvez écraser vos condiments. Hein. J'ai juste choisi d'utiliser les condiments déjà écrasés. And I have my skewers here. So I have the skewers, the stick. Donc j'ai ces piquets là. Je ne sais pas si c'est les piquets ou quoi. De toutes les façons, c'est ça que j'aurais besoin pour enfiler la viande et puis les condiments. So guys, I washed out my meat already. So let's get started by slicing the meat. Je ne suis pas un vrai boucher, donc excusez ma façon de découper la viande. Je vais seulement essayer de découper comme je peux. Et when I slice it, like you see how tiny it is. Vous voyez comment c'est mince, non? Pour faciliter la cuisson. Donc, je découpe la viande comme ça. Regardez, les morceaux de viande, c'est à peu près la taille de mon oignon et de mon poivron. Vous voyez que c'est... Bon, c'est vrai que ce poivron est un peu plus gros. Donc, regardez, c'est à peu près la même taille pour que ça cuise facilement. So, let's continue to slice the meat. Donc, continuons de découper la viande comme ça. Ma sang n'est pas très bien en boucherie. Je n'ai pas encore fait l'autre apprentissage là. Donc, les amis, comme vous voyez, j'ai fini de découper ma viande. Je mets dans le bol maintenant. So, guys, I'm done slicing my meat. I'm just going to add the lemon right now. This is enough for me. Et puis, je vais ajouter l'assaisonnement. Just a little bit of salt, and I will add some. Vous voyez, la viande n'est pas beaucoup, donc j'ajoute juste un peu de cube, et puis ça va faire l'affaire. So this is the black pepper. Ça c'est le poivre blanc. J'ajoute un peu. Ça c'est le poivre noir. Sorry, this is black pepper, not the white. Donc ça c'est le poivre blanc, the white pepper. I'm adding it. Just a little bit of everything. It's gonna be enough altogether. Ça c'est le curry powder que j'ajoute aussi un peu. Ça c'est l'oignon. J'ajoute aussi un peu. J'ajoute aussi un peu de ginger. Le parsley, Italian herb. Just a little bit. And then I will add a little bit of garlic. Les amis, pour que mes doigts ne chauffent pas après, je vais mettre les gants. Hein. Vous savez, c'est beaucoup d'épices comme ça. Donc, si je mets ma main directement dedans, ça pourra me tuer plus tard. So,
I just don't want the, this is too much spicy, so I don't want to mix it with my finger. That's why I'm putting on some gloves. And then I mix everything all together. So now that I have all the seasoning well mixed with meat, I'm gonna let it rest for 30 minutes and then I will come back to mix everything. So it's been 30 minutes, guys. I just want my vegetable to have a little bit of the seasoning. That's why I'm mixing everything now. Donc je mélange tout maintenant pour qu'il y ait un peu d'assaisonnement aussi dans mes légumes, dans l'oignon et les poivrons. C'est pour ça que je mélange tout maintenant. Et puis on va passer à l'enfilage. So now everything is well mixed. I'm just going to put in a stick like this. Just like this. Put one onion, one green pepper. One green pepper. I like a lot of vegetables. That's why I'm trying to put almost everything. Another meat. So another meat, another onion, another green pepper, another yellow pepper, just like this, guys. And where is the red pepper? A piece of red pepper, and then another meat, just like this. If you don't like enough vegetable, you can put a lot of meat, but I love a lot of vegetable. You know. Donc vous voyez comment je continue d'enfiler, non? Donc j'enfile tout comme ça. Donc j'ai fini d'enfiler mes viandes. So guys, I'm done skewing my meat. At this point, you choose where you want it to cook. Moi, je vais faire ma part dans le air fryer. Mais vous pouvez faire ça dans le four. Vous pouvez aussi faire ça sur du charbon. Hein? Et c'est très bon sur le charbon. C'est juste que je n'ai pas assez de temps pour faire ça au charbon. Parce que j'aime ce qui est fait sur le charbon. C'est très bon avec cette fumée là. C'est très bien. Donc, je vais classer ça ici. Et puis, je vais directement mettre dans mon air fryer. Donc, et vous pouvez ajouter un peu d'huile. Ceux qui aiment l'huile, vous pouvez badigeonner un peu d'huile là-dessus. Mais je ne veux pas qu'il y ait assez d'huile. C'est pour ça que je mets même dans la passoire pour extraire l'excès d'huile. So guys, if you like to put some oil, this is the perfect time to put some oil on top of it. But I don't like oil. That's why I'm putting on the strimmer. To strim the excess oil coming out of the meat. And at this point, you can cook in the oven. You can cook, you see. There is no pepper here because some people don't like to eat pepper. That's why I don't put pepper anywhere. You can put on the grill. And I really love the taste of the grill. So you see this pan. I'm going to collect the extra oil from the meat. Donc je vais déposer ma passoire dans ce grillage. Juste pour collecter l'excès d'huile qui va sortir de la viande. C'est pour ça que je n'ai même pas ajouté la viande. Parce que je n'aime pas beaucoup d'huile dans la viande. Je mets tout simplement dans le air fryer comme ça et puis je ferme. Right now it's the air frying mode and I'm just going to press on start. Et à 400 degrés, ma viande va cuire doucement. Donc de temps en temps, je vais venir regarder. Mais comme j'ai dit, si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez faire ça au charbon. Et je pense que ce qu'on fait au charbon est parfait. C'est juste que je n'ai pas le temps d'aller allumer le charbon maintenant. You can do it in the oven. Vous pouvez aussi faire ça dans le four. Ça dépend de vous. Donc, very soon, this skewer will be ready. Donc, ces brochettes seront prêtes dans quelques instants. I'm just checking. You see, it's cooking well. So, in 10 minutes, we will be eating this meat. Donc, je suis seulement en train de surveiller et vous voyez que ça cuit déjà bien. Donc, dans 10 minutes, cette viande sera prête. Donc, les amis, mes brochettes sont déjà prêtes. As you can see, guys, these skewers are ready. So it's time to eat. You see the extra oil that I don't like? That's why I use the strimmer. Donc voilà l'excès de d'huile là que je n'aime pas. C'est pour ça que j'aime la passoire. Donc je suis seulement en train de servir. Maintenant on va déguster. So guys, this skewer is ready. Donc vous voyez les amis, ces brochettes sont déjà prêtes. C'est tellement bien. Vous êtes tous invités. You are all invited. If you like the video, guys, click on like to give my son a thumbs up. Share the post
invite your friends to join the group. Remember to subscribe to my YouTube channel, La Délice de Maçon, pour moi reçu plus. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez le post, invitez vos amis à rejoindre le groupe La Délice de Maçon. Mais c'est très bon, je n'arrive même pas à parler. Et souscrivez-vous à ma chaîne YouTube, La Délice de Maçon, pour plus de recettes. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. On nous revoit la prochaine fois. So see you in my next one. Bye.